Son adversaire dans le coin rouge. Mesure 5 pieds 9 et 144 livres, point 8. Frédéric Dutras. Physionomie parfaite pour passer une guillotine à n'importe qui. I have to say we have amazing fighters with guillotines, but Fred is the king. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es entraîné avec lui? The first time Fred came into the gym, he was just this young guy with some muscle, and he would just be doing his thing, doing his pull-ups and doing his workout. Au début, je le trouvais très introverti, très dans son monde. Et finalement, plus j'ai appris et plus on a appris à le connaître, plus on s'est rendu compte qu'en fait, il est super extraverti finalement, très ouvert. Mais Fred s'en souvient, c'est sûr probablement qu'il m'a passé une guillotine ou que j'y en ai passé deux, trois. Parle-nous de ta relation avec Frédéric. So, à H2O, les grosses têtes, si on veut, on est tous vraiment... On est vraiment collés, puis moi et Fred, c'est un peu ça aussi, notre relation. On s'élève beaucoup vers le haut, puis il dit souvent le brother from another mother, c'est un peu ça. Là. Ici, c'est ma deuxième famille, tu sais. Moi et Richard, on s'entend, ça va faire quasiment 10 ans qu'on s'entend bien ensemble. Puis, tu vis des choses quand même assez extrêmes. Tu sais, chaque combat est important, puis tu sais, moi, Richard, il m'a toujours accompagné dans ces moments-là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est le genre de relation que tu as avec, tu sais, c'est comme... un genre de deuxième père, là, t'sais. The relationship I have with Fred, you know, he's one of my youngest fighters that started from the beginning with me. Through his first Brazilian Jiu-Jitsu tournament, choking everyone out, and hasn't changed that much. Hasn't stopped training. We haven't stopped working together. We've refined his technique from his striking, his wrestling. Qu'est-ce que tu penses de ta compétition à Samouraï, sachant que beaucoup sont du Tristar? Ouais. Mais c'est ça qui est compliqué. Ça peut être gênant un petit peu dans la mesure où on sait que toi aussi tu t'entraînes parfois au Tristar. Moi, je peux dire que je fais partie un peu exactement. Du Tristar. Puis tu sais, ça fait des années que je vais. Tu sais, c'est pas un secret ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que le H2O a toujours eu un certain affiliation avec le Tristar. Et est-ce que ton chemin, il va rester encore longtemps à Samouraï? Frédéric, par rapport à son parcours, par rapport à sa fiche, par rapport à son niveau, ce qu'il propose, c'est le style de combattant qui plaît énormément aux grandes organisations. Selon moi, dans deux ans, par rapport à l'âge qu'il a, à sa fiche, je le vois facilement dans une très grande organisation, à savoir même l'UFC ou OPFL. Donc là, tu vas te battre contre un adversaire. On attend encore la confirmation finale, mais selon toute vraisemblance, c'est confirmé. Il a 23 combats. Il vient du Mexique. Qu'en penses-tu? Mais tu sais, c'est chaud. Il y a tellement... C'est court, là. Tu sais, j'ai pris combat en deux semaines. Fait que, tu sais, vraiment, c'est sûr, j'y vais avec mon game plan. Tu sais, j'ai déjà mon mindset de comment je vais aller l'approcher. Mais tu sais, je sais que faut que je fasse attention. C'est plus son expérience que je dois faire attention. Tu sais, faut vraiment, je pense, imposer mon style et non son style. Écoute, je pense en short notice de même, c'est celui qui va arriver le mieux préparé qui va gagner. Yeah, the one thing about Fred is he's always in the gym. He's always training. He's always sparring, doing conditioning, drilling. Pour vrai, il est un peu un modèle à ce niveau-là pour moi. Tu sais, je veux tout le temps en faire plus que lui. Mais c'est un peu grâce à Fred, cette mentalité-là de toujours en mettre plus. Le monde qui vit vraiment comme un professionnel s'entraîne comme un professionnel. Fait que tu t'entraînes quand même régulièrement, tu sais. C'est ça que tu es supposé faire, je pense, en tant que tel, tu sais. Est-ce qu'on peut dire que Fred, selon toi, il a une crainte de la défaite? Je pense que tout le monde a peur de la défaite. Surtout, tu sais, Fred se bat local encore. La honte un peu d'une défaite, c'est ça le potentiel de se battre à la maison puis de vendre autant de billets parce que... On va se le dire, les athlètes qui vendent les billets qu'on vend, là, c'est notre famille, c'est nos proches. Perdre devant ces gens-là, c'est tellement difficile. Là. It is over.
we don't focus too much on losses. I think we focus on how to rebound, what did we learn from any loss. He's had one loss in amateur, and he came back and we got a rematch immediately, and Fred knocked him out. Dans la vie, des fois, il faut juste que tu traverses l'étape et tu vas aller deux fois plus loin. Je te pose cette question parce que je sais que pour toi, toi, tu es un grand compétiteur dans l'âme. Ah oui, absolument. Et tu nous l'as dit, tu adores gagner. Ouais, c'est une addiction. Fred, c'est un gagnant. C'est à la limite, trop en faire, des fois, c'est pas bon. Mais lui, en fait, tout le temps trop, puis ça va comme ça va. Mais ça va bien pour lui en ce moment d'en faire autant. Ouais, il en fait plus que n'importe qui. Yeah, Fred is something special. I think he's such a competitor. Can't really get an edge on him. And if you try, he's gonna up you. And so he likes these challenges. Do you know the secret of the guillotine? It's something specific with Fred. I have to say we have amazing fighters with guillotines, but Fred is the king. He can choke anyone, the best in the world, black belt, doesn't matter. If he gets a hold of you, he's gonna finish you. Olivier puis moi, on en parle comme étant probablement le meilleur au Canada. Il y a, je sais pas, une physionomie parfaite pour passer une guillotine à n'importe qui. Et si tu résistes à une guillotine passée par Fred, t'es un animal. Mon niveau est quand même très, très, très élevé. Tu sais, moi, une ligne majeure, je serais très intéressé. Puis écoute, je travaille fort pour ça. Est-ce que dans ta tête, t'es en mission? Toujours. Parle-nous de cette mission. Chaque fois que tu as un combat, tu penses toujours au prochain, tu sais. Là, je focus sur le prochain gars, puis la titre, mon focus est sur le 16 en ce moment.